Coucou tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc voilà, dans ma lancée, je me suis dit, je viens juste de terminer mon haul du salon du scrap. Et là, je me suis dit, bon allez, j'y suis, je vais faire mes vidéos haul. Donc nous sommes toujours jeudi, donc cette vidéo, elle sera postée donc samedi. Donc on va dire aujourd'hui, voilà, pour le coup. et donc voilà, et je tiens juste avant de vous présenter donc mon haul, méga haul, Action, Nose et AliExpress et allez on va dire Aldi aussi. J'ai tout rassemblé parce que bon voilà, chez Action j'y suis allée deux fois, donc j'ai rassemblé tout ça, donc c'est pour ça que j'ai appelé mon haul méga, parce que c'est voilà. Donc après si ça coupe je le ferai en deux fois, mais pour le coup j'ai envie de voilà finir de faire mon haul, et comme ça je peux juste après je vais tout ranger, parce que là c'est le bazar, hein, donc il faut vraiment que je m'y mette. Et voilà, et comme en général je les laisse dans les sacs avant de faire mes hauls, bien sûr je vais pas ranger pour déranger, donc je les laisse dans mon sac, et puis après une fois que j'ai terminé mes hauls, voilà, là je peux ranger tranquillou. Donc voilà, et juste avant de vous présenter tout ce que j'ai trouvé, je tenais aussi à remercier aux nouvelles et nouveaux Scrap Copinou et Scrap Copinette. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Merci infiniment d'être passé par là, ça me fait énormément plaisir. Et je tiens aussi à remercier aux anciens et anciennes Scrap Copinette et Scrap Copinou, hein, c'est normal. Vous êtes toujours là et ça me fait plaisir de vous avoir et de partager de tellement de belles choses avec vous. Et donc voilà, donc écoutez, on va commencer, on y va, allez c'est parti. Alors pour commencer, je me suis préparé un petit café parce qu'on va passer un très très long bon moment ensemble, donc je bois une petite gorgée juste avant. Voilà, alors je vais vous présenter donc le haul Action. Voilà, maintenant pour le coup pour Action, bon il va y avoir des articles que vous connaissez certes. Mais voilà, comme je sais que mes scrap copinettes me suivent, donc et je partage tout avec vous, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Donc déjà, pour commencer, j'ai trouvé ceci, une bobine comme ceci de 6 mètres. Donc c'est de la corde de jute tressée. Donc je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Donc en ce moment, il y a ça, côté les fleurs artificielles et tout ça. Donc là. Si je trouve le bout, il est où le bout? Il doit être là. Ouais, voilà. Vous voyez, il est comme ça. Voilà. Donc, j'en ai pris deux. Un de cette couleur et un autre. Il est là, comme ceci. Dans la couleur craft, comme ceci. Et ça, franchement, je suis trop contente de l'avoir trouvé, parce que... Voilà, moi qui aime bien le craft, et puis même sur des cartes et tout, ça peut le faire pour faire le tour, comme il est déjà tressé. Donc, c'est top. Donc, voilà, c'est une petite idée. Hein. Voilà. Donc, pour cela, je vous donnerai les prix, bien évidemment, à la fin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris des petites recharges comme ceci, comme j'ai la... La Dimo, donc voilà, je vais voir si normalement c'est universel, donc normalement oui, ça peut convenir aussi. Donc voilà, j'ai pris dans cette couleur, je l'ai pris dans plusieurs couleurs, donc là pour le coup, voilà, je l'ai pris aussi en fluo comme ceci. Voilà, et qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Je crois que c'est tout, j'en ai pris deux de chaque, mais ouais, c'est tout, puisque j'en avais déjà. Voilà, donc j'ai pris ces deux recharges comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai repris des blenders. Voilà, comme ceci. Puisque bah, ça, c'est top. Franchement, j'avais fait le test et c'est vraiment top. Et voilà, avant que ça disparaisse, je me suis dit, ben voilà, il vaut mieux en prendre en rab. Ensuite, j'ai repris des rollers comme ceci. Voilà. Donc tout ça, vous connaissez. J'ai pris aussi ces magnettes comme ceci, qui est super jolie, super sympa. Voilà, avec l'arc-en-ciel, tout des... voilà, comme ceci. On les avait passés, hein, on les connaît. Donc j'ai pris celui-ci et en forme de cœur aussi. Donc, voilà, donc ça, pour le coup, ça faisait un moment. Donc j'avais repris notre charge comme ceci. Enfin, recharge, double face.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, alors j'ai pris ça. Donc ça, c'est en nouveauté aussi. On les a vus passer, je les ai vus passer. Mais bon, pour moi, c'est en nouveauté puisque, voilà, quand j'y suis allée, je n'avais pas encore vu. Et voilà, comme j'ai rassemblé tous mes achats. Donc voilà, ça c'était en nouveauté. C'est voilà, c'est l'aquarelle, quoi. Voilà. Donc comment ça se présente? Vous voulez que je vous l'ouvre? Ouais, je vais vous l'ouvrir. Hop, l'exécuteur, il est là. Hop. Alors. On va ouvrir comment ça se présente. Je crois que c'est le même qu'on avait eu à un moment déjà, créative artiste. Voilà. Quand je vois le mot artiste, maintenant je pense à Marie. Marie, si tu passes par là, je te fais tout plein de gros bisous. Donc voilà comment ça se présente. C'est sympa avec son petit pinceau. Mais ça, on l'avait déjà eu il y a très très longtemps. Et là, j'en ai un qui se trouve juste en haut, mais bon. Donc voilà comment il se présente avec ses couleurs. Voilà, comme ceci. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris des trombones comme ceci. Donc, alors celui-là, il mesure combien? Il y en a 15 dedans, donc 15 de chaque couleur comme ceci, en or et argent. Et il mesure combien ceux-là? Ils ne le disent pas là. Il y en a 30 à l'intérieur. Hein. Donc c'est vite fait le calcul. Il mesure, que je ne dis pas de bêtises, il mesure 7,5 à peu près. Alors attendez, que je regarde bien. Oui, 7,5. Donc voilà, j'ai pris ça. Oups, excusez-moi pour le bruit. Ensuite, ah oui, alors j'ai pris ça parce que je voulais faire un test avec de la peinture sur du papier et tout ça, pour voir ce que ça peut donner. Et sur la plaque, vous savez, la plaque en silicone, la transparente de chez, je sais plus, bref, voilà, je voulais faire un test, donc j'ai pris ça pour voir ce que ça allait donner. En ce moment, je suis très peinture, très patouille, voilà. Je vais vous montrer aussi quelque chose qui n'est pas scrap. Trop chou. Alors en rose comme ceci. Voilà, c'est des petits vases comme ça. J'en ai pris deux. Voilà, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Oh là là, ça résonne. Ça y est. Oh là là. Bon, bref. Donc voilà, j'ai pris ça parce que tout simplement, bah, soit pour mettre en décoration dans ma scrapon, ou soit voilà pour l'emmener avec moi. Mais bon. Maintenant, je n'emmènerai plus rien de chez Action en Espagne, puisque maintenant, il y a un Action juste à côté de la maison. Donc, voilà. Et même si on ne trouve pas tout, il y aura toujours des choses à acheter. Hein, voilà. Donc, je ramènerai plus rien et il y aura plus de place dans la voiture. Voilà. Et donc, voilà, j'ai pris ceci. Donc, soit pour déco, ou soit pour venir mettre mes petits, vous voyez, par exemple, voilà, mes petits stylos comme ça avec les petits pompons, voilà, pour décorer ou venir mettre mes. Je sais pas si ça s'invente, attendez. Ouais, non, ça va être trop trop petit pour ça. Donc voilà, ou mettre mes petits outils comme ça, vous savez. Voilà, je pourrais les mettre dedans, je sais pas, je verrai. Je dis ça, mais bon, en général, j'aime bien décorer ma petite scrapbook. Donc voilà. Donc j'ai pris ces deux petits vases. Alors vous les avez aussi en petit, en forme plus arrondie. Mais bon, voilà. Bon, c'est des petits vases. Bon, faut faire très attention. Moi, il faut que j'arrête avec les bons. Ensuite, alors, je vais mettre ça, voilà, de côté. Ensuite, j'ai pris ces fameux blocs. C'est des nouveaux. On les avait eu déjà il y a très très longtemps. Là, pour le coup, c'est des nouveaux blocs. Donc, je ne sais pas si vous les avez vus. Mais en tous les cas, voilà. Si vous voulez, voilà, je vais vous le mettre en vitesse rapide. Et comme ça, je vais vous les pencher comme ça. Ok, allez. Thank you.
Donc voilà les trois paper pads comme ceci. Et j'ai pris aussi un autre bloc Canva comme ceci. Voilà. Alors ensuite j'ai pris des casiers comme ceci, des petits casiers en rose qu'on connaît. Donc voilà, et puis ça sert toujours, c'est vraiment topissime ce chose. Ces petits casiers comme ça, on peut ranger pas mal de petites choses à l'intérieur. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, des petits feutres avec des mines très fines. Je vais juste l'ouvrir avec vous pour voir un petit peu. Alors, attendez. Donc voilà, je vais juste tester, bien évidemment, je vais prendre ma couleur. Elle est où ma couleur? Bon, allez, je vais prendre cette couleur. C'est juste pour tester, je vais prendre un petit morceau de papier. Voilà. Ah oui, c'est très fin. Ouais. Et c'est très très fin. Vraiment trop top. Ah, j'adore. Puis moi qui aime bien écrire avec plein de couleurs, donc c'est top 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 top. Voir le noir et un violet. Ouais, il est vraiment fin, j'adore. Très fin, donc c'est top. Je viendrai tester. Bon, ça c'est du violet, hein, c'est pas du noir, mais quand j'ai pris, j'ai cru que c'était du noir. Il est là le noir, mais bon, j'essaierai. Enfin, j'essaierai. Voilà, j'ai testé vite fait pour voir la mine. Après, j'essaierai si toutes les couleurs voilà sont top. J'en ai peut-être mettre ici, je sais pas, je vois. Donc voilà pour ces feutres. Ensuite, j'ai pris ce dies aussi chez Action. Voilà. Donc, voilà. Alors, ensuite, j'ai pris un carnet comme ceci. Voilà, très très joli. Un peu arc-en-ciel. J'adore, il est trop trop beau. Celui-ci, il est juste magnifique avec l'élastique en doré, voilà, qui rappelle donc voilà. Et là, ah ouais, ouh, je me fais mal. Vous voyez, il y a des petites pochettes comme ceci à l'intérieur, très sympa, vraiment très sympa. Voilà, des petites pochettes qui sont pas fermées. D'accord, ok. Ensuite, j'ai pris donc ces petits feutres comme ceci. Voilà, des fine liners, des feutres fins, voilà, tout simplement. Alors, vous avez toutes ces couleurs comme ça, ça doit être sympa aussi. Je vais faire un test également, juste pour voir hein, ce que ça donne. Hein. Ça va être rapide. Hein. Alors, je vais prendre ce feutre. Eh bien, ils sont bien durs à enlever. Hein. Ils vont vraiment avoir de la force. Ah ouais, ils écrivent super bien aussi. J'adore. Voilà. Très très fin aussi. Donc c'est vrai qu'en rose, à chaque fois, je prends du rose pour faire des tests. Mais je peux le faire dans une couleur aussi plus sombre. Hein. Pourquoi ? Allez, je vais prendre du marron. Oh là là ! Mais ils sont très durs à enlever. Ouh. Ouais, très joli, très très fin. J'aime beaucoup. Donc voilà. J'adore écrire avec ça. C'est top. Même pour faire des petites choses. Hop.
très fin. Vous voyez, par exemple, là, il montre des petites fleurs, là, vous voyez. C'est très, très joli. Voilà. C'est très beau. Donc, voilà. Donc, je crois que pour Action, j'ai terminé. Non, il ne me semble pas. Non, et j'ai trouvé aussi, voilà, des cartes, des bases de cartes comme ceci. Donc, voilà. Les blancs hein, qu'on connaît avec leur enveloppe. Voilà. Voilà. Ensuite, allez, une petite gorgée. Oui, sinon, ça va être froid. Oh. C'est froid, mais bon. Ça va. Comme je bois aussi du café froid, des cafés frappés, on va dire. Donc, voilà pour... pour Action, il me semble. Voilà. C'est tout ce que j'ai pris. Ouais. Bah, c'est déjà pas mal. Non, hein, c'est déjà pas mal. Donc, je vais ranger tout ça et puis on va passer chez Noz. Ok, allez, à tout de suite. Alors, donc, maintenant chez Noz. Donc, j'ai trouvé ce paquet comme ceci à 3,50. Vous en avez plusieurs à l'intérieur. Donc, 1, 3, 9, 6. Il y en a 6. Alors. Là, vous en avez donc 6. Et franchement, bah écoutez, ça sera pour l'année prochaine. Mais j'ai trouvé ça super sympa. Voilà. Tout plein de petits sentiments sur le thème donc de Pâques. Et ma foi, quand je trouve des choses comme ça, bah, moi je prends parce que voilà, donc c'est de la marque Artemio. Donc c'est des autocollants, hein, des stickers. Une journée formidable par ici, 100% chocolat. Vive le printemps par ici, c'est ici. Un petit air de printemps, surprise, croque-moi. Chasse aux œufs. Franchement, j'adore. Et puis là, avec des petites poules, des lapins, des, voilà, des œufs. Et j'adore parce que les couleurs sont très pastel, très printanier. Donc voilà. Donc là, j'en ai pris tout plein. Et puis, ma foi, hein, quand je fais des envois, voilà. Hein. Donc voilà. Et le paquet de 6 était à 3,50. Donc ça valait le coup, je trouvais. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des petits moules comme ceci. Voilà. En forme de bonbons. Voilà. Alors là, pour le coup, je crois qu'il était à 1 € et quelques. Mais pareil, j'ai fait une petite vidéo quand j'y étais. Et je crois que j'ai même pris la pancarte avec le prix. Donc voilà, là, c'est des petits boutons. Il y en avait tout plein. Mais bon, voilà, je me suis contentée de ça parce que j'en ai pas mal quand même. Des moules, donc voilà. Et moi, je vais m'en servir pour... vous savez, je vous avais montré avec le moule en forme de cœur. Je m'en sers souvent pour faire aussi avec des sauts de cire. Voilà. Et que je mets. Et puis ça sèche tellement vite que voilà, je peux les démouler avec et c'est top. Et ça, franchement, si vous voulez que je vous fasse un tuto, voilà, que je vous montre comment je réalise mes petits. Voilà, mes petits. Pas sentiments, mes petits embellissements. Voilà. dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une petite vidéo. Voilà, je vous avais présenté sur un de mes hauls de chez quand j'avais fait mon haul de retour de mes vacances, mes achats en vacances, et je vous avais montré le rendu. Donc là, éventuellement, voilà, je vais juste vous le remontrer, mais si vous voulez que je vous fasse un petit tuto, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. C'est voilà, ce sera avec un énorme plaisir. Voilà, vous voyez, j'avais fait ça avec des petits des moules, et là voilà, je voudrais tester avec cela, et je pense que ça va fonctionner aussi, il n'y a pas de raison. Et voilà, comme ça en silicone, donc normalement, voilà. Donc le prix de là, le prix, je crois que c'était 1,20 €, quelque chose comme ça, mais je vous dirai ça à la fin. Ok, donc voilà. Ensuite, j'ai pris des feuilles de feutrine comme ceci, voilà, pour 1 €, donc dans les couleurs pastel. Voilà, ça je vais les garder aussi pour le printemps et tout, quand je fais mes petites créas, même d'été, hein, bien sûr. Je dis printemps, mais voilà. Ensuite, j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des petits stickers aussi, des petits.
pas mal de petites choses sympatoches que j'avais vues dans le haul aussi de chez Odile, de la chaîne Odile M. J'avais vu pas mal de petites choses qu'elle avait, que son compagnon avait trouvées. Et voilà, je les ai trouvées aussi. Bon, j'ai pas tout pris non plus. Hein. Voilà, je reste encore. Voilà. Mais bon. Au prix, franchement, là, vous voyez, par exemple, pour les naissances, 99 centimes, j'ai trouvé ça super chou. Voilà, Baby Love, Baby Girl, avec le petit ours, là, en bleu, bleu layette et rose layette, très, très joli, j'aime beaucoup, voilà. Je l'ai pris aussi, également, en bleu, puisque, bah voilà, j'essaye de faire un album, et donc, je l'ai pris en bleu, aussi, comme ceci, voilà. Voilà, pareil pour 99 centimes. Ensuite, j'ai pris voilà, ces petits stickers comme ceci. Toujours de la marque Artemio. Hein. Et là, 99 centimes. Et là, vous avez tout plein de petites choses rigolotes. Voilà. Comme ça, j'ai pris aussi les... Ceci aussi. J'ai un trou, donc ça va me revenir. Donc, 99 centimes. J'ai pris. Alors attendez, je regarde si j'ai plus de. Je dois plus en avoir. Non, c'est bon. Là après, ça va être des autocollants, des stickers. Donc, celui-là, on va le mettre avec celui-là. Comme ça, je vous le montrerai ensemble. J'ai pris ceci. Voilà, aussi. Voilà. J'aimais beaucoup. À 99 centimes avec tout plein de. Voilà. On peut utiliser dans le scrap, pour faire un petit carnet, voilà, comme ceci. Je vais vous le mettre comme ça, voilà. Hop, voilà. Ensuite, j'ai pris des plumes aussi, 1,99. Voilà. J'ai pris des stickers comme ça. Voilà. Et là, vous avez tout plein de stickers. Donc, je vous les montre comme ça. Je ne vais pas vous les déballer. Hein, je vous laisse regarder. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur comme stickers. Voilà. Hop. Alors, ça, c'est pour. C'était 99 centimes. Et là, c'était 1,99€. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci aussi à 99 centimes. Donc là, pareil, je vais vous montrer comme ça. Hop. Voilà, je vous rapproche un peu. Voilà. Ensuite, j'ai pris. Ces stickers comme ça aussi, qui est pas mal. Des she-boards. Voilà. Alors là, pour le coup, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Alors, vous avez donc... Si je prends un petit papier pour mettre en dessous, comme ça. Voilà. Pour 1,99€. J'adore, trop joli, j'aime beaucoup. Donc là, avec la lumière, le reflet, ça le fait pas trop, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et ensuite, vous avez donc celui-ci sur blanc, c'est peut-être mieux. Ouais. Voilà, 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 très très joli avec des cactus, des petits cœurs, très très sympa. Donc voilà, et pour aller avec, et ben voilà, j'ai pris pour aller avec, enfin plus, ouais, si c'est ça, pour aller avec. Voilà, des à 99 centimes. Voilà. Ça, je verrais bien ça pour voilà, Halloween et tout ça. Ouais, faire un petit truc sympa.
puis avec le mot merci aussi, qui est très très joli. Voilà. Donc voilà pour ces stickers. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, ensuite, j'ai trouvé ce petit bloc, c'est ce petit bloc comme ça, autocollant. Donc, vous avez 336 stickers à l'intérieur. Donc, sur le thème bio, tout ça, fait main, nature, production, etc. Et il me semble que j'ai aussi les tampons qui vont avec. Donc, j'avais acheté il y a très très longtemps, il me semble, et je m'en suis pas servi en fait. Mais voilà, je l'ai là, il me semble. Oui, c'est ça. Voyez, regardez. Je l'avais payé à 4,39 € dans les bonnes affaires quand il y avait les soldes. Et voilà, et je l'ai pas encore utilisé. Parfois, ben voilà, hein, pour le coup, ça va faire. Ouais. Donc voilà, et hop, je le remets à sa place. Voilà. Et c'est sympa parce qu'il y a pas mal de stickers à l'intérieur. Quitte à en offrir quelques-uns aussi. Oh, j'adore. Sur le thème de l'abeille et tout, 100% naturel. Trop top. Alors, oh là là, est-ce qu'il y en a plusieurs? Et non, il n'y en a qu'un. Oh, bah zut. Ah ouais, franchement. D'accord, il n'y a qu'une planche à chaque fois. Ok. Ok. Donc, je vous le montre comme ça. Fait maison. Oh, j'adore. Très joli. Création zéro déchet. Création zéro déchet. Bio. Think green. Ok. 100% bio. Food. Zéro. Naturel production, 100% naturel. Donc, ouais, c'est sympa quand on. Ouais. Création fait maison artisanale. C'est top, ça aussi. Roman. Okay. Allez, ouais, les choses. Ah, ça, c'est pas mal, ça, pour moi. Oh, yes. Vegan. Organique. Maison. Oh, avec le vélo. Oh. Ah, à la recherche d'une vie saine. Regardez-moi ça. Comment il est juste trop top celui-là. Trop top. J'adore. Oh, ouais, trop. Fait maison, fabrication artisanale. Écologique, okay, fait main avec passion. Ah ouais. Moi qui travaille beaucoup la récup et tout, franchement, ça va beaucoup me servir en tous les cas. Donc voilà pour ce bloc de chez Artemio. Ensuite, pour le prix de 3,50. Voilà. Ouais, je l'ai pris parce que ouais, j'aimais bien. Ensuite, j'ai pris ce petit carnet à 1,20 €. Voilà, je vais vous l'ouvrir, bien évidemment. Juste avant, je vais vous montrer, avant de vous l'ouvrir, ce papier de soie qui mesure 50 sur 66, donc en rouge et blanc. Voilà, donc voilà, pour 50 centimes, je me suis dit, bon, bah, je vais le prendre pour voilà, faire pour mes emballages. Donc voilà, trop top. Donc voilà. Et voilà, donc je vais vous ouvrir ce petit carnet. Alors ce petit carnet, donc je l'ai, il y en avait un qui était ouvert sur place, donc j'ai pu voir comment il se présentait à l'intérieur. Ouais, je vais faire comme ça, voilà. Donc voilà, vous avez le stylo qui est à l'intérieur et franchement je trouve ça super parce que voilà, vous avez des pointillés ici pour venir couper votre feuille. Voyez, je vais juste vous montrer comme ça. Hop, voyez, si je le plie, hop, comme ceci, voyez, vous avez
Et là, vous pouvez venir couper votre feuille si vous voulez. Voilà, prendre des notes. Et, mais je trouve ça super. Bon. Alors, le stylo en craft noir et craft top. Hop, mon petit. Ouais. Il écrit super bien aussi. Donc, voilà. C'est un stylo le plus naturel. Donc voilà, en plus qui s'emboîte à l'intérieur, c'est top. Et voilà, et là pour le coup vous avez voilà cette partie qui est pointillée, et puis là au dos uni, voilà tout simplement. Et là c'est des tout petits points, voilà. Vous pouvez venir écrire, c'est top. Il faut que je trouve une petite ouais, j'ai une petite idée, mais bon, après voir si je vais le faire, ça c'est encore autre chose. Déjà, il faut que je le note avant d'oublier. Donc voilà, pour le prix de 1,20€, j'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà pour Nose. J'ai fini. Ouais, j'ai fini pour Nose. Il ne reste plus rien. Donc ensuite, après, je suis passée chez Aldi. J'étais juste à côté de Nose. Donc ensuite, chez Aldi, j'ai trouvé ceci. Donc bon, moi, j'en ai un. Mais bon, voilà, j'en ai pris un autre. Ma foi, hein. Donc voilà, et pour le prix de 8,90€, quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas si j'ai le ticket, si j'ai sorti tous les tickets, mais je ne sais pas si je l'ai. Mais bon, voilà. Et ça, je l'avais vu dans un hall, le hall de Marie. Et Marie, hein, j'ai craqué, j'y suis allée et puis je l'ai pris, voilà. Donc, et en plus, il est en bleu mint, vert mint, bleu mint, ouais, plutôt vert mint, on va dire. Ouais. Donc voilà, et je l'ai trouvé sympa et je me suis dit ben ça ouais pourquoi pas en prendre un autre en cas où hein, voilà. donc ben voilà pour mes achats Action, Nose et Aldi. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé aussi chez AliExpress, on y va. Allez, c'est parti. Alors, donc, ensuite, chez AliExpress, dans mon petit panier, j'ai donc pris... J'ai pris ceci. Voilà. Alors, je mets mon petit panier à côté. Hop, voilà. Un petit nœud, comme ceci, une petite boîte. Et là... Donc voilà, cette petite boîte en forme de nœud, je trouve ça trop chou, trop mimi. En plus elle est toute petite et voilà comment ça se présente. Donc vous savez, vous avez celle avec les fleurs qu'on a chez Craftelier. Et là pour le coup, je l'ai trouvée trop mimi, elle est petite. Et puis voilà, pour la mettre pour un projet, voilà, quand j'aurai besoin... Bon, à l'intérieur, je vais peut-être mettre... en général, je l'ai prise pour mettre tous mes œillets et ainsi que mes attaches parisiennes à l'intérieur. Comme ça, ben, quand j'ai un projet, hop, je mets juste à côté. Et voir aussi mettre des petits nœuds aussi. Je ne sais pas si je mets mes attaches ou mes œillets à l'intérieur. Mais bon, voilà. À la base, je l'avais commandé pour faire tout plein de petits nœuds. Voilà, m'avancer sur des petits nœuds et puis les mettre dedans. Et comme ça, je sais que... Voilà, cette boîte, ça grince, excusez-moi. Cette boîte, voilà, ça sera pour mettre mes petits nœuds, je sais pas. Donc voilà comment elle se présente. Elle est toute mini, j'adore. Et puis vraiment toute petite. Et là, franchement, voilà, ça prend pas de place. Et puis quand vous avez un projet, ben, on le met sur le côté, c'est top. Donc voilà, ou alors, voilà, j'avais commandé aussi des œillets comme ceci en rose. Voilà, venir les mettre aussi à l'intérieur. Et puis, comme je vous ai dit, mes attaches parisiennes, je sais pas. Je verrai selon ce que j'ai envie de mettre dedans. Je suis bon. Pour l'instant, voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai commandé des dies comme ceci. Donc là, c'est un roller, vous savez, ce genre. Alors, attendez, je vais vous ramener. Il est là. Hop. Voilà, ceci, c'est exactement la même chose. Là, pour le coup, on peut venir donc faire, comment dire, des checkers avec aussi. C'est très, très sympa. C'est donc Dan qui m'avait montré donc une créa qu'elle avait faite. Et franchement, ça donnait super bien. Donc, bah voilà,
Je t'ai copié. J'en ai pris un aussi. C'est vrai que je l'avais vu il y a très très longtemps et je m'en souvenais plus où, voilà, où le trouver. Et elle m'avait donné donc le nom de la boutique. Et puis c'est une boutique en général, je commande souvent chez eux. Et voilà. Bon, bref, j'ai pris ça et j'ai pris la crocodile aussi, comme ceci. Donc voilà. Donc voilà pour AliExpress, hein, je crois. C'est tout. Hein. Voilà, j'ai pas pris grand-chose, mais voilà. Voilà. Après, bon, si j'ai pris des choses, mais qui ne sont pas là, parce que ben, je m'en suis servi. Et si, attendez, oui. J'ai pris aussi cette planche de tampon, comme ceci. Voilà. Oups, je vais mettre là, ça prend ma place. Tac-tac. Voilà, j'ai pris cette planche toute mini. Alors, attendez, je vais prendre ce papier pour vous montrer. Voilà, comme ceci. Donc noir, je sais pas si on voit bien. Donc voilà. Et j'aime beaucoup ces petites filles, ces petites poupettes là, ou non, on va dire des petites ouais, jeunes filles, on va dire ça, avec l'appareil photo. Voilà, ça me parle. Donc voilà, si je le mets sur... Attendez, je vais essayer de le mettre là. Vous voyez un petit peu. Voilà. Très joli. Donc voilà, j'ai pris cet enfant. Donc voilà pour mes petits achats chez AliExpress. Pardon. Et bah là, je vais vous donner les prix de chez Action. Donc Action. Alors, attendez une seconde. Je vais peut-être allumer. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis restée dans le noir. Mais bon, voilà. Donc, alors, chez Action. L'EcoTime, d'accord, c'est les petits stickers, vous savez, les grandes planches de stickers. Alors, à 99 centimes, j'en avais pris 4, d'accord, donc il faisait 3,96, d'accord. Les sets de marqueurs à pointe fine, 24 pièces, 4,39 €. Les marqueurs pointe fine, 12 pièces, 1,59 €. Le carnet de notes à spirale, 1,99 €. Les cartes plus les enveloppes, 74 centimes. Les petits bacs roses flexibles, 3 pièces, 2,49 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Voilà pour ce ticket, parce qu'après, bah, c'est des choses que je ne vous ai pas montrées qui étaient... pas scrap, mais bon, voilà. Ensuite, le kit de peinture, les mini pour aquarelle, 99 centimes. Le bloc-notes en toile, donc cadenas, 2,29 €. Le bloc de dessin, vous savez, les paper pads, 1,99 €. Ensuite, les recharges. Les recharges pour la Dimo, 99 centimes. Le bloc de dessin, 20 feuilles. Vous savez, imprimer les pads aussi. Donc, c'est paper pad à 1,99 €. Donc, j'en avais pris 3. Donc, voilà, ça suit. Qu'est-ce que j'ai pris? Les cordes, oui, tressées, les bobines. 1,69 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? C'est écrit de plus en plus petit. Les vases en céramique, 1,59 €. Il y avait plusieurs variantes, hein, de forme de vases en céramique. Il y en avait en rond, enfin, comme je vous avais dit. Les petits chocos, mon petit péché mignon. Les petites cacahuètes, hein. 1,75 €. Ensuite, le dévidoir de colle, les rollers, la petite souris, 99 centimes. Les aimants en verre, 1,19 €. Les trombones, 79 centimes. Et ben voilà, je crois que j'ai fini. Et 99 centimes, vous savez, les... Ah, ceci-là. Voilà,
Voilà, on est avec les 9 éponges. Voilà. Les blenders. Voilà, cherchez-moi. Voilà. Donc, voilà pour le coup. Mon haul est terminé. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Que mes achats vous ont donné des petites idées futures, pourquoi pas. Hein. Et pour votre rangement aussi, ça peut être sympa pour venir mettre voilà, des petites choses sympatoches qui ne prennent pas de place. Et puis voilà, vous pouvez refermer. Puis, désolé pour le bruit. Et le ranger comme ceci, dans un petit coin, dans votre scrap room. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais devoir vous laisser. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Profitez de votre week-end. Voilà. Il va faire très très beau. Donc profitez. Et surtout, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ok? Allez, bye.